savez, le pasteur Meunier veut voir 10 000 jeunes à Tiekwa. Frère, ça sera puissant. Et Yopougon, on peut prendre hommage. Parce qu'il nous a dit ici, pour ceux qui étaient là en janvier, que Yopougon est pour l'église d'Abidjan. L'église de Côte d'Ivoire, c'était la Côte d'Ivoire pour le monde. Alléluia. Donc nous allons être effectivement 3 000 jeunes. C'était le résultat de la visite du président du comité d'organisation des camps bibliques de la JCMCI, le pasteur Francis Guéquement et sa délégation. Ils se sont saisis des 336 jeunes de la zone spirituelle de Yopougon présents à la retraite avec leur leader, le pasteur Innocent Lombé, le jeudi 18 mai pour les motiver à être comptés parmi ceux qui seront cités dans l'histoire de la 7e édition du camp biblique national qui aura lieu à Atiekwa du 21 au 27 août 2023 prochain. C'est un rendez-vous solennel pour lequel aucun jeune ne devrait être en marge, a souligné le président du comité d'organisation. Si tu avais bien compris le message de tout à l'heure, alors le camp de cette année, c'est ton camp. Tu dois y être. Retiens ça très bien. Le camp biblique, nos camps bibliques sont le rendez-vous que notre père spirituel, le pasteur Boniface Meunier, a avec nous, ses enfants spirituels, devant Dieu, dans la présence de Dieu. C'est ça pour nous le camp biblique. Donc on va dans la présence de Dieu avec notre père spirituel pour qu'il nous donne des instructions. Séance tenante, le pasteur Innocent Lombé, qui a proclamé être le premier jeune de la zone, a confirmé sa présence au camp en s'acquittant de son droit de participation. À sa suite, plusieurs frères emboîtent le pas. Le message du pasteur Guéquement ne se résumait pas seulement au nombre de jeunes qu'il voulait voir s'inscrire. Il a également sollicité l'aide financière des anciens, dirigeants, amis des jeunes pour la bonne tenue du camp. Car, disait-il, il faut que nos campeurs soient dans de meilleures conditions à tous les niveaux. Pourtant, si l'on s'en tient qu'aux 10 000 coûts de la participation, ce désir serait quasi impossible d'être réalisé à cause de la cherté de la vie. Les dons tant en nature qu'en argent sont actuellement les bienvenus.